been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I will treat you good in every way, yeah. You will never feel alone, my touch is such a rush. It all passes, and not everybody is angry. A lot of women were very excited. But the percentages changed, so that in the early 1970s, maybe 10% of all people were really happy, and 80% of people were mad, and some were in a position to practice retribution, and some were accepting. But it changes over time. Anthropologists study the origin of humans and their physical, social, and cultural development. Nous reconnaissons que pendant du temps, les femmes en sport sont acceptées et les cultures ont adapté au changement. Mais spécifiquement dans le fonctionnalisme, c'est évident que pour comprendre une culture, il faut regarder aux institutions. Alors, les facilités du sport peuvent aider à l'analyse d'une culture. Sociology is about the study of the societies in which do we live today. Studying societies and people who make up societies. La structure des Olympiques et les sports ont changé d'inclure les femmes. Les sociologues avaient étudié qu'est-ce qui a créé ce changement. Regardez à la théorie féministe, la société était dysfonctionnelle avec les systèmes et les sports sexistes.
La société a réalisé les problèmes et de les changer avec le temps. Maintenant, il y a des inégalités au sport, mais il y a aussi des inégalités qui existeront toujours. Is a comprehensive introduction to the study of the human mind. So we're going to cover a very, very wide range of topics, including brains, children, language, sex, memory, madness, disgust, racism and love, and many others. Les femmes étaient considérées plus émotives qui les arrêtaient de participer au sport. Cette idée a changé au point qu'ils peuvent jouer. Maintenant, on a des psychologistes des sports pour aider tous les athlètes avec leurs émotions à la compétition. Ce sujet est relié à la théorie de l'apprentissage parce que la société a appris de l'accepter les femmes au sport à cause des petits changements en les individus. Les femmes battent pour leur droit et de changer le comportement passif. C'est relié à le behaviorisme parce que les facteurs qui motivent les femmes à participer au sport et qui motivent la société à changer ont causé les changements et l'acceptance des femmes au sport. Title IX a créé l'argent égal aux deux genres pour les sports. Quand cette loi a été créée, la participation des filles au sport a augmenté, mais la loi n'a pas arrêté les garçons à jouer. La société a permis les femmes à jouer les sports, mais la société ne soutient pas les filles au sport. La société a l'idée du pouvoir, la force et la compétitivité d'être des caractéristiques des hommes. La société pense que les sports des femmes sont joués lentement et sont moins agréables. À cause des différences physiques entre les femmes et les hommes, c'est encouragé de dire que les hommes sont plus supérieurs au sport. Il y a aussi des grands trous entre les deux salaires à l'heure actuelle. Just can't get enough.